Salut les amis, c'est Largo et on se retrouve pour une map Minecraft, donc la map The Missing Sandwich, donc une map complètement barrée, juste avec le titre, on le devine. Là, on a du coup le descriptif, je vais lire le descriptif du coup. Si vous avez cliqué sur cet article, c'est probablement que le nom de la map vous a fait rire. Ah, au fait d'ailleurs, si c'est divisé en plusieurs épisodes cette map, c'est normal, parce qu'elle dure plus de 20 minutes il me semble. Donc ce sera des épisodes de 15 à 20 minutes, voilà. Des vidéos de 15 à 20 minutes. Je sais pas combien il y en aura en vrai, on verra bien au fur et à mesure de la map comment on avance en plus. Mais du coup là on peut commencer avec le texte comme j'ai dit. Donc si vous avez cliqué sur cet article, c'est probablement que le nom de la map vous a fait rire. Car c'est sur l'humour que la team Potoris décide de jouer dans The Missing Sandwich. Au total, 3 mois de travail intense ont été fournis pour offrir cette carte complètement barrée, dont l'histoire tourne autour d'un simple sandwich. Le docteur Traiorus, éminent scientifique, a créé l'objet ultime, mais nul ne sait à quoi il sert. Sans réfléchir, Traiorus décide de confier cet objet extrêmement important à DanTDM, qui est un youtubeur dans la vraie vie. Voilà. Malheureusement, celui-ci le perd. Vous devrez alors partir à sa recherche pour le bien de l'humanité. Pour cela, il faudra venir à bout des nombreux niveaux de The Missing Sandwich. En effet, vous aurez à vous frotter à du parcours, du PvE, du puzzle, en bref, presque tous les modes de jeu connus à ce jour. Ils sont bien dosés et les niveaux s'enchaînent plutôt facilement. Les constructions quant à elles sont vraiment bien réussies. Par ailleurs, le niveau de détail est vraiment très poussé. Et le tout rend réellement bien. En effet, le style lisse adopté par le constructeur renvoie à un travail propre et à l'univers scientifique cartoon dans lequel vous jouez. Pour conclure, The Missing Sandwich est la map qu'il vous faut si vous voulez vous amuser en toute simplicité. Du coup, quand je dis que ça va prendre plus de 20 minutes, c'est parce que du coup, c'est marqué, vous allez vous frotter à du parcours, PvE, puzzle, bref, tous les modes de jeu connus à ce jour. Il me semble que les parcours, c'est pas des parcours vraiment très courts, je pense pour une map en fait. Surtout s'ils disent qu'elle est vraiment très bien réussie. Je pense que c'est une map un peu longue quand même. Donc voilà, bon, on va la tester du coup sans plus tarder. Map 1.11, donc c'est plus 1.11.2. Si vous voulez la tester, c'est marqué 1.11, mais en vrai elle est en 1.11.2. Donc bah, préparez-vous à jouer à 1.11.2. Et du coup, on va se retrouver en jeu avec ces magnifiques screenshots, notamment celui de villageois là, qui est le villageois, c'est vrai, totalement défoncé en fait. Je sais pas. Et du coup, on va partir sur cette map qui a l'air plutôt pas mal en fait. Donc voilà, donc je vous retrouve en jeu moi et je vous donnerai tous les liens qu'il faut avec le pack de ressources aussi en description. Donc voilà, là on est en jeu, donc maintenant on va pouvoir démarrer la partie. Donc là on a le ressource pack ici, hop, que vous devez mettre, qui est avec. Donc en vrai il faut le séparer de l'autre truc si vous voulez le mettre sur votre map. Donc il faudra le mettre en point zip. À la limite je vous passerai ce lien aussi si vous voulez. Avec un, je sais pas, un lien méga, Dropbox, je me débrouillerai. Là du coup dès que vous avez le texture pack d'installer, enfin le ressource pack, vous faites clic droit Hey ici. you, good Et job. là... You have On successfully a, installed the resource pack. voilà, on a une Hey voix you, qui good nous job. parle. You have Juste enlever successfully la installed the musique. resource pack. Voilà, j'enlève la Hey musique. you, Comme ça, il y a good juste lui qui job. va You have parler. successfully Et installed the resource peut-être, pack. hop, monter un petit peu, juste de, voilà, à 2%. Et du coup, là, vous entendez le personnage, sinon vous entendrez un autre bruit, genre un bruit d'enclume pété, je crois. Optifan is strongly recommended. Ah, c'est nickel parce que justement j'ai mis Optifine. J'ai Optifine tout le temps maintenant. En fait, toutes les versions de map que j'essaie d'installer, j'ai mis Optifine. Rules. Et d'ailleurs, vous voyez, mais c'est affreux. Il y a tous les boutons, les noms ont été changés. Que je sais pas si ça change, même si vous êtes en français, moi j'étais en anglais de base. Tout a été changé, bordel! On comprend rien. C'est pas des mots en plus. Game menu et tout. Les mecs, ils se sont fait des kiffs. Play on survival. Optifine is strongly recommended. Use the provided resource pack.
all sound except music should be at 100%. Ouais, ok. Tout sauf la musique. Ok. Tac, tac, tac. On va juste baisser le son du coup. Hop. Ça c'est... Ok. Donc, on va mettre... Tac. On va régler le son. À la limite, vous aurez peut-être un son trop fort au début. On verra bien. En tout cas, lui, voilà, il est assez fort là. Donc là, on va pouvoir démarrer. Donc start. Là, on a aussi les chaînes YouTube des builders. Donc je mets leur lien en description. Et du coup, on va pouvoir démarrer. Donc c'est bon. Ok, on s'en fout. On va régler après. C'est parti. Sinon, j'enlèverai le pack de ressources pour tester. Hey there. Ah, c'est le docteur. Welcome to the lab. I've just finished. J'ai juste fini. Perhaps, merde, je sais pas ce que ça veut dire. My greatest invention yet. It's the most amazing sandwich ever. Wow, c'est merveilleux. C'est appelé le grand sandwich. Pas seulement délicieux, mais c'est très rare. Vous nous impressionnez tous. Comment vous faites ça, monsieur Traiorus, monsieur... C'est what? J'ai même pas remarqué la texture tellement bien faite déjà. Bon, du coup, là, c'est moi qui parle. Ensuite, a dollop of fairy dust. Je sais pas ce que c'est, le dollop. Anyway, peu importe. Enough dilly dallying. Dallying. Je sais pas non plus ce que ça veut dire. Go explore that giant toilet. What? C'est toilette géante. Et... That conveniently placed... Et ce levier en haut. Et le levier en haut des toilettes. Ok, juste. Ne perds pas le sandwich. C'est énorme. Waouh. Il en... Attendez. Ils ont pris le soin de mettre la texture derrière. En haut même. Ils ont mis les bords même en haut, quoi. C'est abusé. Ah. Ah, the map creators played me here. I've been trapped. Enfin, j'ai été piégé pour 76 ans. Aide-moi, s'il te plaît. Merde. Rip. Il est peut-être déjà mort. Ah, ouais, ok. On peut trade avec lui, mais bon. Ça doit pas être dans le gameplay, ça. Someone farted and it's mess. Ok. This region is off. Limits for your own safety. Your nose will thank you, trust me. Je pense que le deuxième épisode, on va prendre mode de traduction en plus. Comme si ça accepte. Comme ça, je vais pouvoir mieux lire les panneaux avec vous. Ça pourrait être cool. Comme ça, pour les meubles, je vais faire ça aussi. Ah, mais les toilettes, elles sont pas si géantes. Si, en fait. Je croyais que c'était... Aïe. Putain. J'ai pas vu que c'était des toilettes. C'est fou! C'est énorme! Ah, oh, le levier! What? Lol, lui, que je m'enquête! C'est des génies! Merde! Merde! Il est où mon sandwich? Il y a un petit problème. Attendez, on va essayer de lire. Ah, le son s'est arrêté. Vous avez eu un grand bruit dans les oreilles pendant peu de temps. Ok, well, I need to perform some tests. Ok. Ah, est-ce qu'il y a un moyen de fixer ça? Ouais, bien. You, vous devriez peut-être aller en bas des toilettes et le prendre. Ok, je pense que je vais le faire maintenant. Merci, pas de problème. Attendez, faut passer. Oh! Oh, c'est merveilleux! Oh, c'est comme ça dès qu'on vide des toilettes. C'est cette impression qu'on a dès qu'on est dedans. Oh! Il est où mon sandwich?
C'est trop... Du doom en sandwich, les gars! What? Attendez, c'est quoi ce truc? Ils se sont trop fait les plaisirs, les gars! Welcome to the sewer, can I help you with... yes, have you seen a grand zombie come down here recently? Merde, faut le retrouver! C'est nous qui l'avons perdu, en fait, dans le teaser. On l'a perdu d'une façon tellement nulle! On peut aller dans l'eau, mais... Ah. Ah, un peu de calme. Ouf, press ce button. Ah, ok, c'est la map des challenges. Jump on the blocks. Get to the end of the course. Get your... Prends ta saucisse. Ok. Ah, merde. C'est vrai, c'est un jump et je suis mauvais en jump. Ouf, non, je suis mauvais. Est-ce qu'il y a un moyen de passer vraiment par là? Oui, il y a un moyen. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un bloc invisible sur la droite. Là, de... What? J'ai cassé un bloc! Je sais pas ce que j'ai cassé, mais... Oh! Il y a des espèces de tuyaux bizarres. Est-ce qu'on peut monter sur ces tuyaux? Oh! On peut monter. J'ai envie de monter sur les tuyaux, ça se trouve. Sauf c'est par là qu'il faut passer. Il y en a pas. Oh! Merde, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ok. Allez, ah! Putain. Hop, hop! Attendez, on n'a pas slow? Non, on n'a pas slowness, ok. Je croyais qu'on avait slowness, mais non. Ça va. Oh, bah tranquille! Ah, merde! Ils veulent pas. Ok, ils veulent pas. Bon. Ok. Allez. On va tout faire pour y arriver. Hop. Voilà, on met à profit nos talents en jump. Ah, oh, yes. C'est la seule partie qui n'est pas what the fuck dans leur parcours. Enfin, dans leur map, je suis sûr. Non. Okay. Non! Putain, fallait sauter avant. Ah, merde, le petit saut avant ne servait à rien. Si on peut y arriver, au moins, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En vrai, putain, je peux pas, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jackpot. On va faire des petites ellipses, évidemment. Pas dès maintenant, mais si on arrive... Oh, yes. Yes. Yes, oh, vous êtes des sauveurs. Oh, je vous aime. Oh. Peut-être que je vais le regretter, donc ah, je mets les liens en description. Voilà, je leur mets des liens avec des petits cœurs pour dire que je les aime bien. Non, mais je sais qu'à la fin de la map, je vais plus trop aimer la map. Donc voilà. Je vais la trouver fun, mais chiante, parce que je vais devoir retenter tous les parcours 20 000 fois. En fait, putain. Moi qui suis concentré depuis le début. Ah! Est-ce que j'ai pas réussi? Ah merde! Je croyais qu'il fallait reculer. Je vais au moins essayer d'arriver genre là, à la plaque jaune, avant de finir la vidéo. Hop! Nier, nier. Par contre, j'aurais la flemme de compter le nombre de morts. Ah ouais, ça je vous le... Attendez en fait. C'est dans statistiques. On a lol drop. Non, c'est pas ça. Mouse kill. Stuff dropped. Et où est-ce que c'est le truc où on est mort? Distance damage taken. Ok, ouais. Since last day. Death. Il y a 8,6 secondes. Ok. Enfin, c'était tout à l'heure, du coup, mais... Ok, ah oui, ouais, attendez. Il y a les stats... Minutes played, snakesième... Je sais pas ce que ça veut dire, la moitié. Ok, distance... Ok... Donc... Kill... Death... Lie... Eaten... Non. Il est pas marqué quand on meurt, là. Ok, je vais voir... Plus tard, puisque du coup en plus là c'est dans une langue bizarre, c'est même pas de l'anglais.
C'est de l'anglais. De l'anglais dit par des sandwichs. Putain. C'est affreux ça. Attendez. Non, ok. On va juste. Hop. On se met là. Ah! En vrai, je vais pas finir jusqu'à la plaque dorée pour la vidéo. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vais pas finir jusqu'à la plaque dorée. C'est trop loin pour moi. Ok. Là, on va y arriver. We can do it. Et, ah, non. On n'a pas réussi. Vous voyez, on va pas réussir. Bon. Je fais encore deux derniers essais. Un dernier essai, du coup. Beaucoup trop rapide, l'essai d'avant. Beaucoup, beaucoup trop rapide. Hop. 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 Nier. Ok. Là, on arrive de derrière et, oh! En vrai, non, c'est pas le plus dur, mais il est quand même compliqué ce jump. Ok. Ma vie se joue là-dessus. Merde! J'ai perdu ma vie. Putain. Ben, bah voilà. Je dois m'arrêter à ce checkpoint. Qui n'est pas du tout un checkpoint, mais juste la première étape. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, à m'envoyer vos maps Minecraft et tout en plus, j'en profite. N'hésitez pas à m'envoyer vos maps Minecraft à l'adresse mail qui s'affiche tout de suite à l'écran pour que je puisse les tester, bien évidemment. Et puis sinon, vous pouvez m'envoyer des mods, n'importe quoi que vous réalisez sur Minecraft. Et je serais ravi de tester ça. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager la vidéo à tous vos amis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce, c'était Dark Bow. Tchuss!